Tiens, 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 qui voilà? Ça va, bande de fous? Les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va se faire un petit kiff. On va retourner dans le passé. Effectivement, les gars, on va faire une petite vidéo réaction, trick shot, seulement chapitre 1. D'ailleurs, dans les commentaires, les gars, n'hésitez pas à me dire en quelle saison vous avez commencé et en quel chapitre. Parce que je sais qu'il y en a énormément. Vous avez commencé Fortnite en chapitre 2. Donc là, vous allez voir un ancien Fortnite qui n'est pas du tout comme celui actuel. Les gars, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Bien évidemment, les nouveaux, pensez à vous abonner en activant la cloche de notification, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide énormément. Et bien évidemment, objectif, 10 000 pouces bleus. D'ailleurs, petite parenthèse, merci infiniment sur tous les retours de la dernière vidéo, vous avez été monstrueux et ça m'a vraiment fait plaisir. C'est parti! Oh! Mais ça déjà, c'était monstrueux les gars, ça déjà à l'époque. Hein. Oh, le pont et tout, le désert, oh c'est vérité là ça. What? Oh. Non mais les gars, par contre, l'ancien Fortnite, ça manque tellement. Oh. Retail Row, ça y est, on y est. Oh. D'ailleurs les gars, dans les commentaires, dites-moi, c'était quoi votre spawn préféré? Oh. En vrai, le Rocket Ride, c'était vraiment trop bien avant. C'était vraiment incroyable, mec. Ok, Salty Springs. Oh, mec, ça va... Ah oui, la tour en bois, mec. Oh, il y a tellement de souvenirs. Ok, il va monter avec un ballon. Il va... What? Yo. Yes. Ah ouais. En vrai, les Américains, ils sont chauds quand même. Ils sont énervés aussi, hein. Et le Let's Go, c'est vraiment partout qu'il est. Hein. Il est présent partout, le Let's Go. C'est international, hein. Ouais, les Bill Feet à l'époque. Oh, quelle horreur. Oh, ça ressemble à rien. On dirait moi qui Bill Feet en saison 2, gros. En chapitre 2, pardon. Oh, par contre, c'était fluide. Oh, mec, il a pas pris le temps. Hein. Il est monté, il était convaincu de ce qu'il allait mettre et il l'a mis. Hein. Il a pas blagué, le mec. Oh, Tilted. Oh, Tilted Tower. Oh, les gars, Tilted Tower. Oh, les quads. Oh, mais... Oh, Dusty. Oh, mais... GG, Katswell. Non, ouais. Oh, il était monstrueux, celui-là. Oh, ça, je me souviens, j'avais rentré mon tout premier clip, c'était ici. D'ailleurs, je vous le mettrai en outro de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Ça fait extrêmement plaisir. Hashtag watchtime. En vrai, on faisait que du Rocket Ride. Hein. À l'époque, il y avait que ça, de toute façon. T'avais le Gracie, il y avait Grappin, il y avait les Répulseurs aussi. Oh là, ça, c'était... Voilà pourquoi, voilà une chose de pourquoi il devrait remettre ce Grappin. Mec, le Grappin, ce serait tellement cool pour le clip. Oh, ya. Tu peux faire tellement de choses avec un Grappin, mec. Oh, j'ai cru que c'était double pompe. Oh, let's go, baby. Il y a eu un lac, c'était bizarre. Oh, ce fusil à pompe, je m'en souviens, en double pompe, c'était trop bien. Oh, les barres de poil, mec. Mais il y avait tellement d'équipements et tout avant, mec. C'était un truc de fou, hein. Oh, la station essence vers Pleasant Park, je l'ai reconnu. Ils sont énervés, les Américains. Tomato Temple. Celui-là, il est beau aussi. Hein. La colline à côté de... Je crois que c'était Fatal ou Anarchy. Je m'en souviens de cette colline. Je m'en souviens très bien même parce qu'un jour on avait fait une incruste avec les abonnés. Et les abonnés avaient dessiné des quéquettes. Du coup c'est pour ça que je m'en souviens. Wow. Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire de 360 avec une manette? Oh mec, il a pas fait des 360. Il doit avoir une sensibilité. Oh. Attends. Il l'a lancé avec quoi? Un grappin? What the fuck? Il a sauté sur le grappin? J'ai pas compris. Oh, le barret, mec, ça fait tellement du bien de le voir. Juste de le voir. Même de pas le toucher, bon, c'est pas bien grave, tu vois. On peut pas tout avoir. Oh, Rocket Race. Citrouille. Oh, mec, c'était trop bien, ça aussi. Wow. 160 mètres. J'allais dire 180. Il est monstrueux. Oh, Tomato Temple. C'était ça, je crois. Vers le pont. Ouais, si, c'est ça. Avec les deux maisons. Oh mec. Oh, qui se souvient? Oh mec. Oh non, ça c'était vraiment vieux. Les deux petites maisons. Tout le monde allait spawn là-bas en mode safe. Et après on baquait les grosses villes. Oh, je m'en souviens. Oh, aïe aïe aïe. Mais tant de souvenirs, mec, c'est incroyable.
Hashtag joueur de foot L. Oh, ça aussi c'est bien. Les gars, c'est quelle année les joueuses de foot, elles? Je crois que ça date à 2018. Hein. Je crois que c'est année 2018, c'est il y a déjà 3 ans. Hein. Paradise Palm. Oh, mais je... What? Voilà, voilà. À un moment donné, on peut faire des 3-6 même avec une manette, les gars. Il est en train de le prouver. Oh, on aurait cru un trickshot sur Call of Duty. Oh, les gars. Oh, si à chaque noscope, j'avais eu des réactions comme ça... Je pense que mes voisins m'auraient déjà viré de chez moi depuis très longtemps. Celui-là, il était trop beau. Il l'a touché en l'air. Oh, il va pas en glace. Hors zone, suicide shot et il va le toucher. Mec, la glace et tout. Waouh, hashtag qualité médiocre. Hashtag trick shot somptueux. Oh, tout est beau. Grappin. Voilà, mais mec, avec le grappin, on faisait tout avant, tu pouvais tout faire. C'était vraiment une arme essentielle au jeu, Ujo. Mec, tu pouvais fuir si c'était des fous, tu pouvais tout faire avec un grappin, mec. Tilted. J'ai aperçu Tilted, ça m'a fait un petit truc. J'ai aperçu Tilted, les gars, ça m'a fait un petit truc. Ça aussi, ça m'a fait un petit truc. Oh, le quad. Oh, là. Ça, c'était... Ok. Oh, mon... Mec... Le quad, les gars, pour ceux qui n'ont pas connu, en chapitre 1, c'est avec ça qu'on pouvait faire des rotas de fou. Mais mec, tu pouvais partir de la map et finir tout en haut, c'était incroyable. Oh, la qualité 4 tiers aussi. Oh, mec, c'est trop bien, on revoit tout dans cette vidéo, c'est incroyable. Oh. Celui-là, il est pas mal non plus. Hein. Oh mec. En fait, c'était tellement plus fluide et plus simple de faire des trickshots avant, j'ai l'impression. Maintenant, c'est devenu presque impossible. Hein. Oh, il a fait une petite décale. Oh, il lui a mis une petite baffe. Oh, Willing Wood, ça. Je suis pas fou, c'est Willing Wood, ça. Vert Tomato Temple. Oh, qu'est-ce que je donnerais pour retourner 24 heures, les gars, en chapitre 1. Oh, ce serait du plaisir, en vrai. Ce serait trop bien. Mais là maintenant actuellement je pense qu'avec le niveau des gens, mec, ce serait un truc de fou. S'ils remettent chapitre 1, chaque game ce serait des World Cup. Je suis sûr que ce serait le bordel en 2-2, il y aurait des builds dans tous les sens, mec, ce serait des World Cup à chaque game. Ce serait un truc de fou. Oh, le cube. Oh, le cube. Si toi aussi tu as connu le cube, laisse un pouce bleu. Oh, quel poil attend. Ça c'était vers... c'était le pont pas loin de la mine. Par contre, ils sont excités quand même, hein. Oh, le caddie et Tilted Tower. Oh. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on ne peut plus faire maintenant, tu vois. Mec, avant, tu pouvais prendre un caddie avec un C4 pour pouvoir faire un clip. Tu vois, ça, il y a plein de trucs. Maintenant, on peut plus, en fait. On a déjà tout fait, quoi. Et je pense que c'est ça qui manque un petit peu à Fortnite. C'est vraiment de la nouveauté, mais un truc qu'on puisse... Même une connerie, tu vois, un truc tout con, mais qui nous permette de faire des trucs de fou. Et je pense que ça pourrait faire du bien. Oh my god. Wow, qualité 4 tiers. On va celle-là, mec. Oh, si vous avez connu ça, vous êtes vraiment des anciens, les gars. Ce bruit, il me manque. Genre, je vous jure, les gars, ce bruit me manque. Mec, par contre, j'ai même l'impression que les manettes, vous faisiez plus de 360 avant que maintenant, genre. Aïe aïe aïe, de toute beauté. Avec le bolt. Oh. Il est sur manette en plus. Oh, il est monstrueux celui de la trickshot. Oh, le caddie. Vertil tête, le clac. Oh, faille. Il va faire quoi? Il va lui mettre depuis le caddie? Oh, les îles flottantes. Oh, les gars, je suis désolé pour toute cette nostalgie que je vous mets. Mais en vrai, moi, ça me fait du bien de revoir ça. Genre, je me rends compte qu'en vrai, on se plaint de Fortnite, mais on a quand même, les gars, des souvenirs de dingue. Genre là, chaque clip, chaque endroit, ça me rappelle des souvenirs. C'est trop bien. Oh, le tout premier skin à Inox Tag. C'est le premier skin à Inox Tag, ça. Pour ceux qui ont la ref, vous êtes anciens.
voilà, encore du grappin. Putain, on faisait tout, mais le grappin, tu faisais tout avec. C'est incroyable. Faut qu'ils le remettent, ce grappin aussi. On n'en parle pas assez du grappin, les gars. Simple, net, efficace, celui-là. Oh, encore du quad. Ça, c'était avec les runes du cube, bordel. Oh, ça, les gars. Oh, ça, toi-même, tu sais qu'on en a mis pas mal des comme ça. Oh, ça me rappelle tellement de souvenirs, les gars, c'est incroyable. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est des souvenirs lointains, tu vois. 3-4 ans, ça commence à faire loin quand même, les gars. Oh, ça passe tellement vite. Paradise Palm, encore. Oh, je l'adore, ce soir. Oh, ils ont eu trop de bol, ils se laissaient faire. Eh oui, et ça aussi, ça, il faut en parler. Avant, les gens étaient cool, tu vois. Maintenant, on va trouver un mec qui se laisse faire. Fouf, bon courage, hein. Bon, lui, il se laissait pas faire, mais il a pris un doliprane. Allez, pack, il y a les bénéficiaires. Voilà. Ouais, ça, c'est les vieux setups de Twitch. Hein. Ça, c'est très, très vieux. Putain, mec, on sent un peu de... Quasi, il va faire. J'ai de voir les gens comme ça en bas, ça me rappelle tous les clips que j'ai pu mettre à l'overboard. Et mec, oh. C'est lointain quoi. Là ça commence à faire le. Oh, let's go. Wow, pile quand elle a pété. Il est incroyable celui-là. Il va partir en petite shot. Ouais, mais ça tu vois, tu veux plus, ça se voyait. C'était un bambino en face. Mec, ça n'existe plus de nos jours. Frosty Flight. C'était avec les avions, c'était quelle saison ça? Saison 8 je crois. Simple comme papa d'un moment. Ah bah alors là, il a pas déconné. Missile téléguidé. Oh, je me souviens, petite anecdote, j'avais envoyé Michou en missile téléguidé le jour de sa sortie. Et il avait réussi à faire top 1. Je l'avais envoyé en 1v2 sur des mecs. Et il avait réussi à faire top 1. Les anciennes moving zones, mec. Est-ce que vous voyez quelqu'un faire des extends là? Non, je ne crois pas. C'est ça le problème, c'est ça le souci, les gars. C'est vrai que sur tous leurs top 1, regardez les gars, sur tous les top 1, les mecs en face, ils sont pas là en train de faire des build fights ou des extends. Des... Oh, let's go. Hein? What the ball? C'était plus un lag là, frère, c'était un voyage temporel. Regarde, il est pas en train de faire un build fight, le mec. Et c'est ça que j'essaye de faire comprendre aux gens depuis des lustres. J'ai rien contre le build fight, mais regarde, les mecs en face, ils sont pas en train de faire des triple extend, double edit, double flip, double salto. Ils sont relax, tu vois, ils sont détente. Regardez-moi ce tout petit Bambi. Ça n'existe plus. On n'en croise plus des gens comme ça. Oh la 4e. Oh. Simple, net, efficace. Et je pense que c'est ça en fait le réel problème en ce moment de Fortnite. C'est que vraiment il y a que des mecs qui tryhardent, gros. Dans chaque game, t'as l'impression d'être 90 mon Graal. C'est de l'abus. Ça y est, ça me manque. Ça y est, j'ai envie de retourner à chapitre 1 là. Oh, de toute beauté. Et voilà, le mec il était là caché, il cherchait. Il était pas en train de faire des mille feet quoi. Mec. Oh, s'il touche deux fois, la deuxième. Non, il est. Oui. De toute beauté. Rendez-nous les Bambis, bordel. On va faire une pétition. Si toi aussi tu veux qu'ils nous remettent les Bambis, hashtag on veut les Bambis. Mais ouais, mais mec, mais ouais, bah ouais. Il faut qu'ils enlèvent ce foutu SBMM, bordel, c'est pas possible. Tu pouvais faire trop de trucs avant parce que justement, il y avait des gens que tu pouvais troll. Maintenant que t'es contre que des mon Graal, frère. Oh, c'est incroyable. C'est pour ça qu'on rigolait et qu'on était détendu avant sur Fortnite, frérot. Faut pas se mentir, en vrai. Là, le fight Fortnite, c'est moins bien. Parce que justement, tu tombes que contre des tryharders et t'es tout le temps stressé, t'es tout le temps... Tu sais jamais quoi faire. Là, regarde, tu fais pas ça, là. Jamais le mec, il fait ça, parce que sinon, il se fait détruire direct. C'est trop beau. Et ouais, ça manque, ces petits bambinos. Mais on sait comme ça, les gars. En vrai... Hein? Je crois que je le connais, celui-là, Flip. Ouais, je l'avais vu. Je connaissais la réaction. Waouh, les gars, en vrai, c'est incroyable. Ça m'a fait de... En fait, ça m'a fait drôle de revoir des anciens clips. Et genre, je me rends compte qu'on a vraiment quand même connu
des bons trucs, les gars, sur Fortnite, et c'est ça qu'il faut retenir. Même si en ce moment c'est plus pareil, j'espère qu'un jour ça deviendra pareil, mais je pense que ça tient vraiment que à la communauté, tu vois. Le jeu en ce moment, il est plutôt pas mal, je pense. Le seul problème, c'est que vraiment, enfin moi en tout cas, je trouve, c'est que tu tombes que sur des tryharders sur chaque game. Tu lances des MM tranquille à 9h du matin, gros, tu viens de te lever. Tout ce que tu veux, c'est de faire ton petit top 1 pépère, tu vois, te chauffer un petit peu, te mettre en confiance. Et là, tu tombes contre 90 mon Graal, gros. Alors bon courage, c'est parti les édits, tu transpires déjà au bout de 10 minutes. Et je pense que c'est ça vraiment qui manque sur Fortnite, c'est d'avoir des endroits où on peut être tranquille, détendu et jouer fun, tu vois, jouer cool, rigoler avec des potes, s'envoyer en roquette en l'air, faire des trucs de fou. Et en vrai, j'espère que ça reviendra un jour. En tout cas, je le souhaite. N'hésitez pas, les gars, en tout cas, à mettre le petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi, nouvelle collection de t-shirts et de pulls et de suites sur swen-shop.com, collection d'avril, elle est disponible, les gars. Ça fait extrêmement plaisir, merci à vous. Et je vous souhaite à tous une agréable journée et bordel de merde, fuck you les tryharders. All the other kids with the mom that